La première fois que j'ai écrit une chanson avec ma guitare, j'ai eu de la chance parce que j'étais pas toute seule. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui aime bien faire de la guitare comme ça, qui aime bien écrire des chansons et qui du coup m'a aidée à écrire ma première chanson. Pofi, 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 pauvre fille qui est tombée sur un pauvre gars, c'est la polka de la pofi, coincée avec un pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, tous les jours au Pôle emploi, pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, chemise à dentelle, cravate en soie, pofi, 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 pauvre fille qui est tombée sur un pauvre gars. Après cette incroyable chanson, évidemment, qui a fait un malheur dans tous les rayons de disques de France, que dis-je, les vinyles ? J'ai continué à écrire des chansons. Des chansons quand j'étais amoureuse. Ça fait comme des picotis, comme des guélis, c'est douloureux. Ça fait boum boum, et puis ça passe. Ça fait comme des picotis, comme des guélis, c'est merveilleux. Quand j'avais le cœur brisé. Un jour infirmement, peu importe le temps, on se retrouvera, mon amour, mon amant. C'est tout ce qu'il me reste, des rêves et des chants. Tu es parti, je tombe, je pleure, je t'attends. Est-ce que je me mens? Si je t'attends, des chansons pour faire la fête. Chansons un peu rigolotes. Hello jeune homme, moi c'est Carole, je suis fun, je suis bonne, je passais à la casserole, je vais me présenter, je dirais que je suis branchée tous les mardis au bistrot, j'en route les plus nigos. Je suis jeune dans ma tête, même si mon corps suit pas, je suis une cocarde, j'ai mon petit 6 mois, ah, ah. Jeune dans ma tête, même si mon corps suit pas, je suis la reine de la fête, viens mon petit chez moi. Comme tu l'as compris, écrire des chansons, c'est un vrai bonheur pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Des fois, ça me permet aussi d'être en paix avec quelque chose en écrivant la chanson. J'aime aussi pouvoir justement transformer parfois mes souffrances en une chanson que je trouve jolie. Et du coup, je fais de la boue une mine d'or. Waouh ! Et c'est pour ça que j'ai eu envie de proposer des ateliers pour créer ta chanson. Voilà, pour que toi aussi, tu connaisses ce goût délicieux que moi, je savoure. Pas tous les jours, mais quand j'ai envie d'écrire une chanson. Je vais donc te partager toutes les étapes que moi je mets en place pour écrire mes propres chansons. Tu vas voir, c'est facile. Donc j'aimerais te donner dans cette vidéo 2 conseils pour créer ta chanson. D'abord, fais simple. Fais vraiment simple. Choisis maximum 4 accords simples, entre 2 et 4 accords simples, que tu peux t'amuser par exemple à intervertir. Dans le couplet, tu vas les mettre dans un certain ordre et dans le refrain, tu vas les mettre dans un autre ordre. Comme ça, ça fait un changement dans la chanson entre le couplet et le refrain et ça reste simple. Le second conseil que je voulais te partager, c'est fais. Car oui, j'imagine que peut-être tu te dis que oh mon Dieu, si t'écris une chanson, ça va être nul. Mais d'abord, qu'est-ce que t'en sais? Fais-le et tu verras. Et ensuite, plus tu vas faire ça et plus forcément tu vas t'améliorer. Et regarde, je suis passée de la polka de la pofi à Carole la cougar. C'est pas incroyable ça? C'est pas un waouh? Tous les lives que je propose et les ateliers sont sur mon site déploietajoie.fr. N'hésite pas à aller voir si tu es intéressée.
Je suis située à Bordeaux, mais je propose aussi des ateliers, des cours de chant et des accompagnements pour aller vers soi, vers sa voix, se lâcher, en ligne aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Quand tu pilotes en automatique, quand tu